du candidat consensuel de l'alternance 21, le président Roma Dungar Félix Nyalbe. Depuis l'avènement de la démocratie au Tchad en 1990, la situation politique de notre pays, caractérisée par l'exclusion, la gestion clanique et patrimoniale, est patente et criarde. Le repli identitaire et communautaire, le regain de conflits agriculteurs-éleveurs, la situation socio-professionnelle, l'inexistence, voire la disparition des infrastructures de développement des bases, l'insécurité urbaine, la problématique de l'emploi des jeunes, la méfiance du gouverné vis-à-vis du gouvernant sont illustratifs et expliquent le niveau actuel de notre pays, car le régime en place n'a ménagé aucun effort en vue d'y remédier et de restaurer la confiance avec le peuple. Solidaire avec ce que vit le peuple et la population tchadienne, depuis plus de 30 années, nous avons déployé dans le cadre de notre parti des efforts essentiellement politiques pour renforcer la cohésion nationale, favoriser l'épanouissement de la démocratie, éviter un recul politique préjudiciable à l'unité nationale. Face à ce multiple obstacle, les blocages érigés par ceux qui tiennent à profiter aussi longtemps de la division du peuple tchadien, nous avons décidé de nous porter candidats aux élections présidentielles afin que dans un effort commun, nous débarrassions notre pays des tares qui entravent notre marche au développement, à la liberté et au progrès. Nous proposons aujourd'hui une alternance politique et nous voulons tenter avec vous une nouvelle expérience. Pour réussir cette politique, nous ramènerons la paix sur l'ensemble du territoire national par la réconciliation franche et honnête. Nous nous engagerons à tenir compte de l'ensemble des diversités ethniques, religieuses et culturelles et de respecter rigoureusement les droits de l'homme. Nos forces de défense et sécurité, aujourd'hui déstabilisées et fonctionnant suivant une méthode inédite, doivent être réorganisées afin de revêtir une forme républicaine. Le pouvoir judiciaire verra son indépendance renforcée et accrue au regard des insuffisances constatées actuellement. Sachant que la jeunesse tchadienne représente 60% de la population et n'a malheureusement pas de débouchés, nous nous engagerons à créer des emplois dès nos deux premières années, le plus d'emplois possible afin de résorber le chômage dont elle souffre. Ensemble, alternons pour que le Tchad de demain soit uni, fort et un havre de paix. Le 11 avril prochain, dans l'intimité de l'isoloir, nous savons que vous feriez le choix conscient et objectif. Votez le candidat de l'alternance, Roma Dungar Félix Nyalbe. Tous pour le Tchad pour tous. Je vous remercie.